السلام عليكم. مرة هذه ما كاش في اسكام الكاميرا خسرت لي ما عرفتش من يماتي ما. المهم انا جيت نكمل لكم بيزو الطروة تاع جو مترو. حبسنا في الدو في هذا البلاصة في هذا. المهم الى عجبكم الفيديو ديروا لنا جيم ابونيو، الى ما عجبكمش الفيديو ثاني دير جيم وما تابوني غير كيف كيف. اي اون كونتيني. On a eu du bol d'arriver ici. Bon, il y a un nid dans le bâtiment près de la carcasse d'avion. Pas étonnant que j'ai fait un cauchemar. Ah, tu veux cauchemarder? Bah, il suffit d'aller là-haut. C'est taré d'y aller avec seulement trois hommes. Pour nettoyer un lit, il faut deux escaliers. Hé, Artyom, si tu veux de la culture, le bol Choy est là-haut, au-dessus de nous. Les acteurs qui ont survécu y sont. Et les gens viennent de tout le métro pour voir leur spectacle. Les fachos se préparent pour la guerre. Mais qu'est-ce qu'ils font? Comment c'est possible? On est dans le Reich depuis toujours, et maintenant on est des monstres? Ah, ça arrive constamment. Mais pourquoi? Bon, pourquoi voilà notre plan. La station près de celle-ci est la place de la Révolution. La dernière fois, c'est l'une des nôtres, voisin. Une rouge. Cette fois, et cette station est très proche de police. Temps, moi, un bon communiste, je me porte garant pour toi. Mais on fait quoi, maintenant? Bon, qu'est-ce qui passé? Et tu seras chez toi en un rien de temps. Et on se réjouit. C'est vous dont ils nous ont parlé tous les jours. Oui, c'est nous. Super. Allez, entrez. Allez, Artyom, va faire un tour. Il y a plein de choses à voir ici. Respire. Je vais parler à mes amis. Je te vois bien se passer. Bienvenue. Et reposez-vous. Ça va ici, on a vraiment tombé. Des balles pour le dernier critique de théâtre en vie. Des balles pour la paix de vos âmes. Alors, jeune homme, ma pancarte vous a plu? Il y a de la place pour tout le monde sous terre. Les meurtriers, les butins, les tyrans, les monnayeurs, même les paysans. La mort, les ruines, même les sans-fin. La mort et les ruines. C'est pour ça qu'il nous faut le théâtre. Un verre et un spectacle pour réchauffer le corps et l'âme. Sans ça, autant se foutre en l'air tout de suite. On fait la fête pendant que les gens meurent. Ne ratez pas cette occasion. Bon, quand est-ce qu'arrive notre invité? Celle avec le masque et la foule. Ça sent vraiment très bon, c'est bien. C'est une nouveauté. Un odeur charfeur. Désolé, Katia. Ouais. Désolé. Fais voir un truc qu'on connaît. La lutration. Enlève tes masques et la gamelle. Wow. C'est un démon. Il a juste les jambes pendant. Il fait un démon. On dirait qu'est-ce qui s'est passé? Regardez comme il bouge les ailes. Il attaque. Non, papa dit qu'il bat des ailes comme ça pour décoller. Et mon père a vu plein de démons. C'est ça, oncle Micha. C'est un démon, hein? C'est ça. Disons que c'est un démon. Mais il y avait des oiseaux comme ça. Alors, Nikitich, quand est-ce qu'on devient de la chair à mutant? T'as assez d'argent pour tenir une semaine? Une semaine? Deux jours peut-être et je serai foutu. Ça m'a pris du temps d'économiser. Enfin, bon débarras. Au moins, je ne serai amusé. On a les yeux plus gros que le ventre. C'est pas elles sont faites maison, déjà, mais elles sont très bien. Pourrait devenir stalker. Non, vous pourrez pas mettre tout ça dans votre sac. J'ai de l'argent pour trois jours. Revenez si vous avez besoin de quelque chose. Des grenades incendiaires. Elles garderont votre ennemi au chaud. Des couteaux de lancer, silencieux et mortels. Respecter avec ça.
Parce que c'est un objet qui inspire le respect. Munitions et armes à vendre. Échange de balles. Si vous achetez ça, vous aurez plus jamais peur des bandits. Vous allez leur en mettre plein la vue. Munitions, munitions, achetez, échangez, vendez. Munitions et autres, prix imbattable, c'est promis. Bonne chance, vieux. Garantissez votre sécurité. Protégez-vous. C'est de la bonne. C'est ce qui se fait de mieux. Je sais pas, c'est interdit. Peut-être que je vais prendre un verre plutôt. Tu peux boire n'importe où. C'est le théâtre ici. Tout est possible, mais... Hé, hey, je veux pas te forcer, hein. Mais reviens pas dans 10 minutes quand t'auras changé d'avis. J'en aurai plus. Attends une minute, je dois réfléchir. Alors fais vite, parce qu'il y a un autre touriste. Si t'es pas preneur, il le sera sûrement. Munitions, munitions, achetez, échangez, vendez. C'est bon, ça marche. Je prends. Merci, mec. Si t'avais pas été là, ce blaireau m'aurait rien pris. Si t'en veux aussi, reviens me voir ce soir. J'attends une nouvelle livraison. Munitions et autres, prix imbattable, c'est promis. Comment vous pouvez nous faire ça? On a passé toute la journée ici. Eh, c'est ma place. Ce type peut prouver que je suis la puce manérale, Paul. C'est pas la première fois qu'on me dit de partir comme ça. Vous n'êtes pas obligé. Munitions et armes à vendre. Je vais vous signaler. Pour ceux qui avaient sûrement vendu la moitié au marché. Bon, Artyom, j'ai réussi à tout arranger. On peut aller à Révolution. Ils nous laisseront entrer dans le théâtre. Par qui? Par toi? Qu'on a aperçu il y a quelques jours sous un banc du quai pour échapper à sa femme. Hé, hey, vous, stop! Montrez-moi vos billets. Hé, hey, qui frappe qui? Vous avez entendu? Très bien. Allez-y. Nous sommes ravis. Bon, Stanislavski, tu peux regarder le spectacle si tu veux. Je t'attends dans les vestiaires. Maestro? Si vous êtes prêts, le French Concord. Spectacle. Alors, comme celui-ci jusqu'à présent. Apprécié le spectacle. Je suis allez, faut désolé qu'on y aille. Pour les autres espèce artistes. Espèce de mécène. Après un tel spectacle, ils vont avoir du mal à impressionner le public. Mais je pense qu'ils vont se montrer à la hauteur de notre... Pavel Igorevitch, je suis content de te voir. Incroyable spectacle continue. C'est terminé? Tu nous aimes plus? Cet homme serait du danger. Hélène, tu sais bien que j'aime tout, Dieu de ce nouveau monde. Je reviendrai bientôt, c'est promis. Que l'homme est le plus fort. Accueillons chaleureusement Léonide Bourri, notre dresseur extraordinaire, avec sa... Pourquoi ton petit ami t'en achète pas une meilleure? Son petit copain est radin, c'est pour ça. Non, je peux compter sur lui. Et il gâche pas son argent. Dans ce cas, tu devrais l'épouser. Il l'épousera pas, il est trop radin pour ça aussi. Allez, on teste ici. On dirait que t'es en manque de femmes. La vie est dure sans une douce compagne. Encore des réfugiés. Toujours des réfugiés. Qu'est-ce qui se passe? À ton avis? Allez, Kringer. Qu'est-ce que j'ai vu? Allez. Bon, allez, on ferait bien d'y aller. Mais buvons un verre pour fêter notre survie. D'accord? Hé, c'est pour moi, d'accord?
تا تا اكبادي شيالي وجاك باين خداع وينتي Et voilà, deux de nos spécialités, ça vient de notre vieux stock. Ça a infusé... Waouh, c'est génial. Allez, à la nôtre, Artyom. En parlant de mutants, même notre station a entendu les rumeurs sur la nouvelle espèce. Fantastique. C'est un délice, pas vrai? On est bien ici. La maison, c'est encore mieux. Tu sais, j'ai voyagé dans tout le métro. Les gens racontent un tas de conneries sur la ligne rouge. Ils disent que c'est horrible, qu'on crève la dalle, qu'on tue nos camarades pour rien et qu'on peut pas blaguer sans se faire arrêter. Allez, prenons notre verre. Santé, Artyom. Oh, c'est vrai, notre vie est un peu rude. Un parti, un leader, une idéologie. Et on est organisé, et tout est partagé. Nourriture, médoc, carburant, abri. Y a pas de riches, c'est vrai. Mais pas de mendiants non plus. À l'autre verre. Et maintenant, à l'égalité. Allez, Artyom, bois un verre. À la tienne. Waouh, c'est une merveille. Où j'en étais? Ah oui, oui, écoute. Regarde dans les stations éloignées. Ils se bouffent entre eux. Ils vendent leurs gosses comme esclaves. C'est l'âge de pierre. Livré à lui-même, l'homme devient une bête. Tu sais, la discipline, la discipline. C'est tout ce qui compte. C'est notre survie. On peut croire ce qu'on veut, mais je suis un rouge. Un rouge jusqu'à la mort. Buvons la discipline. Chin. Et voilà. Allez, Artyom. Allez, cul sec. Cul sec. Allez, mon ami, voilà comment ça se passe. M'en veux pas, Artyom. Je fais juste mon boulot pour protéger la ligne rouge. Et toi, le mousquetaire, t'es du mauvais côté de la barricade. Soldats, emmenez ce camarade. À vos ordres, Major. Oui, chef. Bienvenue, camarade Major. Rompez, soldat. J'ai vraiment été idiot. J'ai cru à cette histoire d'amitié, à cette devise de mousquetaire débile. Attends un peu. Je me vengerai. Je me demande quand même pourquoi Pavel a pris la peine de me piéger. Bouge-toi! Arrête ça! Il est un peu trop enthousiaste. Artyom, je te considère comme un ami. Et en tant que soldat, tu comprends que je devais suivre les ordres et t'amener ici. Et maintenant, t'es en état d'arrestation. Et c'est peut-être pas fini pour toi. Bonjour, chef. Repos. Vous êtes pas mal ici, pas vrai? Oui, chef. Le camarade Moskvin est là. Il inspecte les troupes. Le secrétaire général est ici? Et le camarade Corbut? Oui, chef. Le camarade général est ici aussi. C'est mon jour de chance. Les choses avancent plus vite que prévu. Écoute, Artyom, t'es un malin. Bouge-toi! Alors tu sais que les coïncidences n'existent pas. T'es là parce qu'on a besoin de toi et que t'as des informations. Alors je te conseille d'être franc. Et t'en fais pas, je te cours. Parce qu'on est quoi? Les mousquetaires. Un pour tous, tous pour un. Mais tes camarades de l'ordre, leur devise, c'est tout pour un. La guerre approche, et avec le bunker que vous avez trouvé, c'est celui qui contrôle qui survit. Et tant pis pour les autres, mais on s'est préparé à cette éventualité. Et je veux que tu nous rejoignes. Bonjour, camarade général. Camarade Morozov, je commençais à croire que vous n'avez pas survécu à votre mission. J'ai été capturé, camarade Corbut. Ce ranger m'a sauvé la vie. Quelle coïncidence. Lesnitsky, vous faites partie des rangers de Sparte. Connaissez-vous cet homme? Oui, chef. Il s'appelle Artyom. Melnik lui fait confiance.
Ils ont trouvé des six ensemble. Il a aussi gagné plusieurs médailles depuis son incorporation dans l'ordre. Eh bien, je suis ravi de vous rencontrer, camarade Artyom. Nous avons chacun des choses à offrir. Emmenez le camarade dans la salle de négociation. Jeune homme, oublions l'interrogatoire de présentation et allons droit au but. Ce mutant télépathe, surnommé le Sombre, est d'une grande importance scientifique. Dites-moi tout ce que vous savez sur lui et je vous laisserai la vie, ainsi que votre poste chez les Rangers. Mais en tant qu'espion, tout comme les mousquetaires, un pour tous et tous pour... Secrétaire général de la Corbut, je dois vous parler. Alors, qu'avons-nous là? Un autre ennemi de la Révolution? Parfait. Comme vous le savez déjà, Lenya doit travailler un peu sa façon de... communiquer. En fait, nous étions en train de... Ah, pas besoin du sérum de vérité. Je vais vous montrer une méthode de l'armée rouge plus rapide et plus efficace. Sale merde! Cache le morceau et vite! Dis-nous ce que tu sais sur D6. Tiens! Sale... Oh, toujours rien, hein? Oh, sale fumier! Parle! Ou je vais te faire crier les noirs! Les mots de passe, les noms de code, les protocoles d'opération! Qu'est-ce que tu fais, papa? Ça s'appelle un interrogatoire, Lenya. Un interrogatoire. C'est mon travail. Quoi? Tu n'as jamais fait ça à des poupées? Non! Yeah. Petit fumier! On n'a pas de pouvoir sans un peu de sang! C'est faux! Ton frère dirigeait dans la paix, et les gens l'aiment encore! Reviens ici! Saloperie! D'accord. Utilisez vos drogues, vos tisonniers. Mais faites-le cracher le morceau et butez-moi ce fumier. Ensuite, venez dans mon bureau. Il faut qu'on parle. Allez, reviens ici. Je suis d'accord avec Léonide. La brutalité est risquée pour obtenir des informations. Je crois en la science. Une injection et vous nous direz tout. Le sérum va agir dans un moment. On a envoyé un paquet à D6 pour tester les combats, on va dire. J'ai besoin que vous alliez à Venise pour vous occuper des locaux qui ont fait la livraison. Ce ne sera pas un paiement en espèces, d'accord? C'est compris, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait du Sombre? La créature a été localisée. Les détails sont dans cette enveloppe. Vous récupérerez cet animal après votre voyage à Venise. Ne me décevez pas cette fois. Comptez sur moi, camarade général. La ferme, Corbut! À bas mon père, et Morozov, et la Révolution, et même mon futur! Je préférerais être tué plutôt que d'être comme mon père. Il a tué son propre frère. Écoutez, si vous sortez d'ici, vivez, c'est tout! Voilà! Entrez là-dedans! C'est le chemin vers la liberté. Oh, faites-moi confiance, je connais bien.
J'ai passé toute mon enfance à éviter mon père en me cachant de ses conduits. Bon, alors, bonne chance. Enfin, asseyez-vous, Corbett, et discutons. Des négociations à police ? Ah, vous êtes au courant. Je suis le chef des renseignements, après tout. Alors pourquoi vous avez laissé les informations filtrer ? Putain de réfugiés. Police, Hansa, et même les Fachos connaissent déjà nos plans ! Les rats seront exterminés, et la guerre est inévitable de toute façon. Inévitable ? J'en doute un peu, comme le Politburo. Un homme qui doute est un homme qui a peur. Comment osez-vous ? Vous êtes le chef de la sécurité d'État, et je suis votre supérieur ! Oui, mais maintenant qu'on approche d'un métro rouge unifié, vous n'avez pas le droit de faire capoter le plan. Je n'ai pas le droit ! Moskvin, quand vous m'avez demandé comment gérer le cas de votre frère aîné, il était encore secrétaire général. Je vous ai aidé. Et après sa mort tragique, j'ai soutenu votre promotion. Alors, je vous suggère de suivre mes conseils. C'est... inacceptable. C'est très simple, camarade Moskvin. On se serre tous les coudes et on affronte la tempête. Ou c'est chacun pour soi. Mais... Corbett, est-ce que tout ce putain de métro mérite qu'on verse le sang pour lui ? J'ai un moyen d'y arriver sans verser une goutte de sang. Pas de sang, vous dites. Alors, faites le nécessaire. Je m'occupe du Politburo. Fumier. Un de ces jours. Toute attaque frontale est inutile. Mais si on passe sous l'église, qu'on avance dans les catacombes, puis qu'on attaque par l'arrière, on devrait rencontrer très peu de résistance, voire aucune. Ensuite, il suffira de faire le ménage. Votre attention, camarade général ! Soldat, on vous a confié une mission d'importance. Chaque groupe a son objectif, et on vous a dit le minimum à savoir pour réussir votre mission. N'oubliez pas que cette opération est top secrète, et que l'ennemi ne doit pas vous prendre vivant. J'espère que c'est bien clair. Des questions ? On peut utiliser les radios après avoir capturé les cibles ? Seulement en cas d'urgence et sur une fréquence cryptée. Si on a droit à des contre-attaques ennemies musclées, on garde notre position ou on se replie ? Restez en position. De toute façon, je doute que l'ennemi soit capable de contre-attaquer efficacement. Camarade général, on nous a donné une bannière avec le matériel, mais on nous a aussi fait enlever tout ce qui nous identifie. On ne laissera pas de traces de notre opération. Ce n'est qu'après la victoire et la réception du signal que vous mettrez vos bannières sur les cibles capturées. D'autres questions ? Non, camarade général. Alors, bonne chance. On sert la rouge ! La rouge ! Rouge ! Je me trouve dans des catacombes infestées d'araignées. Le secrétaire général Moskvin ne me semble pas du tout être l'araignée en chef. Ce titre revient manifestement au général Corbett. J'aimerais bien savoir ce qu'il a en tête. Qu'est-ce que Lesnitsky lui a rapporté de D6 ? Qu'est-ce qui va détruire les ennemis de la Révolution ? Encore des questions et aucune réponse. Une seule chose est claire. Pavel a des informations sur le sombre. Ce qui fait de lui ma cible actuelle. مهم جماعة نحبسوا الفيديو هذا دروك هذه بارتي نورمالمون 3 قرعونا ان شاء الله بربي بارتي 4 غادي نفيني لكم ليستوار حتى لافان شوفوا واش صرا المهم الى عجبكم الفيديو ديروا جيم تنساوش تابونيو هاي الا ما عجبكش الفيديو طبق شارك تفرج هنا هيا
دقاش واللي مازال يبقاو معنا هنايا الى الحلقه القادمه ان شاء الله.